Un mot sur votre personnage, vous êtes la sœur de Charlie. C'est ça. Qui revient et à qui on confie la reprise de l'exploitation. Complètement, ouais. Moi, je suis chef cuistot dans le film. Et Marie, c'est un peu le personnage qui essaye de faire bouger un peu tout ce petit monde et de remettre un peu toutes les choses en place, quoi. Voilà. Peut-être le lien entre le père et le fils. C'est ça. J'essaye que mon frère reprenne le domaine pour arranger un peu toute la famille et ça marche. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce film, dans ce projet? Bah, déjà de tourner dans ce pays, bah, dans cette région que je connaissais pas, qui est très très belle. Et puis, de retrouver Gérard Lanvin, Jalil. Puis cette histoire est jolie, simple et jolie. Vous, voilà. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Vous connaissez, vous avez travaillé déjà avec Gérard et déjà avec Jalil? Oui, avec Jalil sur le Saint-Laurent, qui me dirigeait, pas en tant qu'acteur, et avec Gérard sur le film de Frédéric Schoenderfer, 96 heures. Oui, jouer mon amant, ça c'est la magie du cinéma, maintenant c'est mon père, voilà. Comment ça se passe entre vous et le tournage là depuis quelques semaines? Très très bien, très très bien. Vraiment bonne ambiance, c'est super. Un film sur le vin, c'est plutôt rare, ça c'est quelque chose qui vous intéressait aussi? Moi, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui touche à la terre, enfin, vraiment ça, quoi, le travail familial, cette espèce de... où on se retrouve tous, on essaie tous de mettre du sien, enfin, ça me touche plutôt. Après, le vin, je ne suis pas une grande amatrice, moi, personnellement, mais j'aime bien tout ce qui touche à la terre, donc oui, oui. J'allais vous poser la question d'après, premier cru, grand cru, est-ce que vous avez dégusté, est-ce que vous connaissiez le vin de chez nous? Je connais pas très très bien les vins, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas, il paraît qu'ils sont bons. Tout le monde me dit ça.